Hello! Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis encore allée chez Action. Voilà. Et je suis passée aussi chez Podvat. J'ai pas acheté grand-chose. J'y suis allée parce qu'il me fallait un produit. Je suis ressortie de là avec 6 produits, comme d'hab. Et donc, je vais d'abord vous montrer la partie Podvat. Et on passera à Action juste après. Alors, pour celles qui veulent savoir, je viens de refaire une colo. Et j'ai fait celle-ci. Je l'avais trouvée chez Aldi à 5,49 €. Donc, c'est une Garnier Color Intense en teinte châtain. La 4.0 chatte. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Elle a super bien pris sur partout. Parce que sur les longueurs, en principe, je n'en mets presque pas. Et là, elle a bien pris. Donc j'ai été chez Crevette parce qu'il me fallait ce produit-là, que j'en ai presque plus. Donc c'est le lait pour la douche de Nivea. Enfin, sous la douche. Et j'adore ce produit. Moi qui suis une grosse feignasse de l'hydratation du corps. Alors, autant je peux mettre une tonne de produits sur ma tronche, ça ne me dérangera pas, mais le corps c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'utilise ceci et j'aime beaucoup. Donc comme d'habitude, je vous mets les prix quelque part par ici. Je me suis pris la pince à fossiles de chez Catrice parce que celle que j'avais reçue avec les fossiles magnétiques est beaucoup trop large. Donc c'est pas évident de bien mettre les fossiles. Donc j'ai pris celle-ci, je l'ai testée et en fait elle est un peu épaisse. Elle pince super bien, mais je ne sais pas si vous allez voir par rapport à l'autre. Mais voilà, question grandeur, c'est quand même plus simple. Mais elle pince super bien les cils et elle est trop bien pour le prix. Voilà. J'essaie de les ranger au fur et à mesure, mais je trouve plus de bordel qu'autre chose. Donc j'ai été chez Action, chez Crevette, parce que je voulais absolument 4 produits lèvres. Voilà. J'ai été me rechercher 2 glitters. Glitter Switch, voilà, donc c'est des rouges à lèvres qui sont censés être mat quand vous les appliquez et qui deviennent pailletés quand vous pressez les lèvres. J'avais déjà acheté le rose ici. Je vais essayer de vous retrouver la photo que j'avais mise sur Instagram pour vous la mettre juste ici, qui est le Glittery Rose et je l'aime beaucoup. Et celui-ci est quand même légèrement plus mat quand vous l'appliquez. Les deux-ci, j'ai fait un swatch et ils sont déjà métallisés à la base. Donc j'ai pris c'est un bleu et un mauve, ils sont vraiment très 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 beaux. Vous avez le Glisty Blue et le Shimmering Violet. Donc je vais vous faire des swatchs, bien entendu. Je vais vous mettre le rose juste à côté, comme ça vous voyez. Alors il en reste un que j'ai pas acheté parce que c'est dans les tons un peu rouge orangé et je n'aime pas ces teintes. Donc voilà pour les swatchs, ils sont vraiment très beaux, donc j'ai hâte de tester ces petites choses-là. Alors, je voulais aussi ces 2 produits. Alors, il en existe 4 teintes, moi j'en ai pris que 2. C'est les Hello Wow Dewy Lip Shine en. Bah, toujours de chez Essence. Hein. Voilà, donc au départ, je pensais que c'était un petit roll-on à mettre et qui mettait des paillettes enfin, et un refaire le graphique, mais en fait, c'est un bête gloss. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sentent bon. Donc, ici, vous avez le. Ah oui, la teinte est marquée là. Dragonfly Shimmer, qui est dans les tons bleutés, mauve bleuté, comme ça, rose. Donc au départ, j'avais dit que je prendrais les 4 teintes parce que je les aimais beaucoup. Mais comme j'ai vu que c'était des gloss, j'ai pris juste les 2 qui me plaisaient le plus. Et l'autre qui est le Unicorn Powder. D'ailleurs, je vais mettre sur mes lèvres. Ça n'ajoute pas grand chose de plus. Hein. Donc voilà les swatchs. Ils sont très jolis. Ils sont super bons, mais ils sont très colorés. Sur la main, ça va encore. Mais alors, sur la main, ils sont hyper. Donc, je sais pas. Je verrai si je les utilise beaucoup ou pas. Voir si je vais acheter les autres ou pas. Donc, voilà. Voilà ce qui conclut donc le haul. J'ai eu un cadeau quand je suis allée. J'ai eu 1 kg d'œufs en chocolat d'une valeur de 5 €. Ils offrent ça. Voilà. Donc, vous avez 6 goûts différents dedans. Autant vous dire qu'on va se régaler. Donc chez Action, on va passer d'abord à ce qui n'est pas poté. Bon, déjà, il y a la bouffe, hein, mais bon, mon mari s'est pris des gaufrettes. J'ai pris 2 paquets de nouilles pour les enfants, enfin voilà quoi. Mais bref, on a acheté ceci, donc c'est Complete Clean de chez Dettol, Perfect Hygiène, Nettoie Tout, Cuisine. Donc voilà, ces pipites là, on en a toujours besoin. C'est toujours très utile. Et si en plus ça désinfecte, que demander de plus? Je me suis pris 3 briquets, comme d'habitude, et ils en avaient des nouveaux, donc ils sont très 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 jolis. Vous en avez un, c'est marqué XOXO, ici avec 2 petits ballons de cœur, et ici c'est marqué Love, tout simplement. Voilà, ils sont très jolis, pour le prix, j'en prends toujours.
Je me suis acheté, donc j'avais acheté chez Jiffy en promo deux petites serviettes que j'ai oubliées en bas, que j'utilise toujours ici. En fait, j'en mets un pour m'essuyer les mains ou mes pinceaux, et j'en mets un sur mon plan de travail pour quand je pose les affaires ou les paillettes et tout ça. Et voilà l'état général de mes anciens. Donc celui-là a été lavé. Enfin, je viens de l'utiliser un petit peu, mais il a déjà été lavé. Voilà l'état général de mes petits essuies que j'utilise d'habitude. Donc là, j'en ai racheté des nouveaux. J'ai acheté à chaque fois deux pour avoir l'ensemble. Voilà. C'était pas nécessaire, mais ils sont un peu plus grands quand même. Je sais pas s'il y a la. Ouais, 30 sur 50 cm. Donc ils sont un peu plus grands que les autres, c'est très bien, ça me fait un beau une petite protection pour mon bureau. Donc je les ai pris en rose pâle et en turquoise. Voilà. J'ai repris un. Alors j'achète à chaque fois là-bas parce que pour mes tartelettes Yankee Candle, j'achète à chaque fois des brûleurs chez eux. Le mien était très vieux, il est déjà tombé plusieurs fois, il est fendillé, il est ébréché et tout ça. Donc là j'ai racheté celui-ci. Voilà, très soleil. Très plage, très vacances. Et j'adore ces petites choses-là. Donc, en principe, les tartelettes Yankee Candle ne rentrent pas entières dedans. Moi, je les coupe toujours en deux. Ça fait des économies, puisque que vous la brûliez entière ou de moitié, ça sent pareil. Hein. Donc, voilà. J'y suis très contente. Il y avait celui-là, ou alors un juste avec des espèces de palmiers, comme ça. Voilà. Il y avait juste le feuillage, quoi. Alors, pour la partie un peu plus beauté, je me suis repris un paquet de lingettes, la base. Chaque fois que j'y vais, je prends un paquet quand j'en ai presque plus. Je me suis repris deux gels nettoyants pour le visage à l'eau de rose que j'aime d'amour. Et voilà, j'en ai presque plus, donc il était temps que je m'en rachète. J'en ai pris deux. Pour celles que ça intéresse aux actions de mes sensis, il y a plein de bouteilles d'eau de rose. Moi, j'en ai pas repris parce que j'en ai encore trois et je viens d'entamer une quatrième qui est pleine encore. J'ai trouvé ceci pour mes cheveux, donc celui que j'adore, Zizit, là où je ne sais plus quoi la marque, il n'y a plus moyen de le trouver en ce moment, donc j'ai trouvé ça, c'est un élixir de beauté pour vos cheveux de la marque Biface, donc ce n'est pas une marque que j'affectionne principalement, enfin, pour la peau, parce qu'il y a beaucoup de produits que je ne supporte pas chez eux, et là c'est pour les cheveux, donc c'est de la kératine liquide, sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux, pulvérisé, modelé et coiffé. Donc voilà, c'est pour pas les cheveux secs. Vous avez 250 ml à l'intérieur. C'est un format upshipshape. Donc là, j'en ai mis un petit peu quand j'ai défait mes tresses. Adieu, je me rache la moitié des cheveux. Et ils sont doux, ça va, sans plus. Bah, après, j'en ai pas mis des masses, donc voilà. J'essayerai sur cheveux humides. Terminé. Alors, partie beauté qui est pas vraiment de la beauté, enfin presque, comme vous allez voir. Je suis retournée chez Action à cause de Ella Rayon Soleil. Voilà, si vous la suivez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, parce que les hauts d'action chez elle s'affusent et à chaque fois qu'elle y va, elle trouve des petites pépites et à chaque fois j'ai envie d'y aller. Donc je crois que mon mari la déteste sans la connaître, mais je crois qu'il la déteste parce que chaque fois je lui dis oui, mais c'est Ella qui a montré ça, il faut que j'aille voir s'il y en a. Voilà, donc Ella, c'est ta faute. Et du coup, j'ai acheté des Crystal Face. Voilà, comme vous voyez, j'en ai acheté, quoi. J'en ai pris 7 en tout. voilà, j'en cherchais parce que bah, c'est la mode en ce moment, hein, avec tous les trucs de festival de Coachella et tout ça, on en voit partout. Et voilà, tout simplement, c'est un peu plus cher, les moins chers que j'ai trouvé. Il me semble que c'était à 5,99 sur Beauty Bay, je crois. Et là, du coup, je les ai payés 99 centimes, enfin 99 centimes. Donc j'ai pris celui-ci en double pour vous rajouter dans le concours, puisque on a passé les 500 abonnés sur Instagram normalement. C'est un petit cadeau en plus, mais c'est toujours ça en plus. Et je rajouterai un autre lot un peu plus beau si on passe les 1000 followers sur Instagram. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris celui-là pour moi et pour vous. Ils sont vraiment très jolis, hein. Je vous les montre tous comme ça. Et voilà pour des petites choses. Donc il y en a que j'aime un peu moins, mais je les ai pris quand même parce que je me suis dit au pire je peux les découper pour mettre de temps en temps un petit strass par-ci par-là, puisque j'aime beaucoup ça. Pour continuer dans la même série des strass, j'ai trouvé, donc ça c'est ce que je vais vous présenter maintenant, les deux derniers produits, c'est dans le rayon papeterie. Donc à chaque fois j'achète ce genre de choses, mais là j'en ai presque plus.
Ce sont des petites gemstones comme ça à coller pour le scrapbooking et tout ça, donc c'est à chaque fois dans le rayon scrapbooking. Et voilà, moi je les ai pris pour des make-up tout simplement. Donc vous avez à chaque fois dans la même couleur des petits carrés ou des petits cœurs, et je trouve ça très joli. Donc vous avez rose, bleu, blanc, jaune et vert. Donc là, vu le nombre qu'il y en a, autant vous dire que j'en ai pour un petit bout de temps. Et enfin, je cherchais depuis très longtemps, j'en avais acheté il n'y a pas si longtemps. J'avais acheté chez Action à l'époque, je vais vous en montrer juste trois, hein, mais des petits pots de paillettes comme ça, qui sont très jolis. Donc vous avez soit les simples paillettes, ici c'est des petites lunes, j'ai des petites étoiles aussi. Donc j'en avais cherché d'autres dans d'autres teintes et tout ça pour avoir des couleurs un peu plus flash, un peu plus pétantes. J'ai toujours pas trouvé malheureusement, mais du coup j'ai trouvé ceci qui existe en deux teintes. Donc vous avez quand même 10 pots de paillettes. Ici c'est dans les tons bleu et vert. Elles sont juste magnifiques quoi. Vous avez les argentées ici. Et l'autre, vous avez dans les tons rouge, mauve et rose. Donc ici vous avez 3 mauves, vous avez 2 rouges, un rose gold, ici un peu orange bronze, doré jaune, pas jaune quoi, et doré. Donc c'est des sets de shaker de palette qu'ils appellent ça. J'adore, vous avez 10 x 20 grammes, donc autant vous dire que là je vais être tranquille pendant un bon bout de temps. Question paillette. Donc voilà ce qui conclut ce haul, c'était pas un très gros haul, je me suis pas ruinée comme d'habitude. À la base, je suis allée chez Action juste pour acheter ce genre de choses à cause de Ella, et j'ai été chez Quavette juste pour acheter ceci quand même. Hein. Et voilà avec quoi je suis ressortie. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Si jamais vous, il y a des produits qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire, et si vous les trouvez aussi, dites-le moi. S'il y a des autres pépites que vous avez trouvées dans votre action et que moi j'ai pas, n'hésitez pas à me les partager. Vous pouvez me taguer sur Instagram et tout ça. Voilà quoi. Donc en attendant, on se retrouve samedi pour une vidéo make-up un peu plus artistique comme j'aime bien faire le samedi. Donc la série Game of Thrones est terminée. Si vous voulez la reprendre, je vous mets la dernière qui est sortie juste ici. Et de celle-ci, vous pourrez aller voir à chaque fois les autres. Donc on se retrouve samedi et je vous dis bisous bisous.